il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, à la base. Je possède, à des virements, des virements. Yo la famille, c'est comment? C'est toujours votre humble serviteur Riton. J'espère que vous allez bien. Si vous avez bien remarqué, ça fait un bon bout de temps que je ne me prononcerai pas sur les pseudo-clash entre deux artistes là. Si vous avez bien remarqué, hein, je faisais rien avec. Mais hier, il y a un clash qui m'a vraiment dérangé. Pour ne pas dire, il y a un direct qui m'a vraiment... Et je pense que j'ai mon mot à dire aussi parce que je suis fan de ce mouvement-là. Voilà, j'écoute tous les artistes. J'écoute même les deux artistes même concernés dans ce clash-là. À savoir, Tiesco le Sultan et Baby Philippe. Waouh! En fait, Tiesco le Sultan, je vais t'expliquer certaines choses et te parler aussi de certaines choses, de même que Baby Philippe. Cependant, ce qui m'a plu dans ton direct, c'est que tu as aussi dit beaucoup de vérités. Mais comme tu ne sais pas dire ces vérités-là, c'est pourquoi je fais cette vidéo réaction-là, pour te répondre, mon frère. Je suis d'accord quand tu dis que Baby Philippe est devenu trop cher. C'est vrai. Ça, c'est, tu n'as pas menti. Je suis d'accord que quand tu dis Baby Philippe n'arrange pas tout le monde. Ça aussi, c'est vrai, parce que c'est le mec, il trie les artistes avec qui il veut travailler. Ça, c'est pas faux. Voilà, il ne travaille pas avec tout le monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Bon, est-ce pour ça qu'il est le sorcier du coupé décalé? Est-ce pour ça qu'on peut le taguer d'hypocrite? Je ne pense pas. Voilà où je ne suis pas d'accord avec toi. Sinon, sans te mentir, hein, moi je le dis toujours dans mes directs que tu n'apprécies pas, que tu as beaucoup de vérité, mais tu ne sais pas les dire. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde, on ne peut rien les faire, ils sont intouchables. Moi, je n'aime pas ça en fait. Voilà, on est tous humains, on a une limite. Et tout peut s'arrêter à un moment donné. Voilà. Il faut reconnaître sa place d'humain et mettre le divin à sa place. Mais quand on sort des paroles comme si on ne peut rien nous faire, c'est ça. C'est là qu'il y a problème en fait. Or, je vous dis toujours ici qu'il y a des personnes, même souvent même que vous écoutez, que vous regardez, que vous côtoyez, qui sont très noires que vous, qui ont un passé très noir que le vôtre. Mais qui ne viennent pas se taguer, qui ne viennent pas faire l'apologie de ce passé négatif-là. Juste pour vous dire de faire attention dans vos propos. Juste pour vous dire qu'on peut clasher, mais sans pour autant insulter ou bien sans pour autant vexer. Baby Philippe est très cher, ça c'est vrai. Je crois qu'il fait un son, si c'est 3 rangées, je crois à 600 000, non? 600 000, je crois. Oui, je crois. 600 000. Sinon, ça peut aller jusqu'à 800 000, 1 million, hein, un seul morceau. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est le sorcier du coupé décalé. Parce que les sorciers du coupé décalé, on les connaît. Et je ne pense pas que Baby Philippe soit le sorcier du coupé décalé. Quand tu t'étardes de dire la vérité, d'être un diseur de vérité, il faut accepter qu'on te dise certaines vérités à ton endroit aussi. Moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je n'ai rien contre toi. Je n'ai vraiment rien contre toi. Tu as plusieurs fois dit ici que tu n'as pas besoin de ma promo. Ça, c'est pas bien grave. C'est ton choix. Mais, je ne peux pas, en fait, comment je vais dire ça, rentrer dans ce débat-là avec toi. Mais je fais cette vidéo-là pour te montrer tes imperfections dans ton direct, en fait. Même si tu as dit beaucoup de vérité. Première imperfection, tu dis que Baby Philippe est le sorcier du coupé décalé. Ce qui est faux. Parce que, c'est quoi la sorcellerie, en fait? La sorcellerie, c'est... trouver toutes les méthodes pour nuire à quelqu'un, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et toi aussi, tu as ces défauts-là, Tiesco le Sultan. De toi à moi, tu dis que Baby Philippe est le sorcier du coupé décalé. Oh, toi, tu es l'un des super clashers de ce mouvement-là, bien que tu fais la faux trappe. On ne dit pas que tu n'as pas ton mot à dire dans ce mouvement-là, parce que tu es un ancien faiseur du coupé décalé. Tu t'es reconverti à la faux trappe. Mais il faut reconnaître aussi que tes clashs ont entaché sérieusement ce coupé décalé-là. On veut parler des trois dernières années. Tu as presque clashé tout le monde dans ce coupé décalé là. Souvent, tu reproches à Arafat d'être celui-là qui a fait des palabres avec tout le monde dans ce coupé décalé là. Mais tu as son image, Tiesco le Sultan. Tu as à peu près la même chose comme lui, sauf que toi, tu défends un autre combat comme quoi c'est le mec qui empêche que ses amis réussissent. Ça, c'est ton avis, hein. Ce qui reste à discuter. Mais en même temps, toi aussi, comment tu justifies tous ces clashs que tu fais avec tous les artistes là? Tu as clashé Vétu Lulas, tu as clashé Didier Rafa, tu as clashé le Moula, tu as clashé Serge Benoît, tu as clashé tout le monde.
Voilà, et même quand tu clashes pas, tu envoies certains pics, même à tes plus proches collaborateurs. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Je ne fais pas cette vidéo réaction là pour te dire que je défends Baby Philippe, non. C'est pour te dire que je suis d'accord que tu dises qu'il soit cher, qu'il doit revoir ses coups, mais c'est pas pour autant qu'il est le sorcier du coupé décalé. Je ne suis même pas d'accord. Voyez, pendant que tu le traites du sorcier du coupé décalé, le mec là, dans son, il fait ses arrangements cherchés là. Il représente au moins 70%, hein, je veux parler du coupé décalé, des X du coupé décalé. Dans son, il est cher là. Parce que mine de rien, la cherté n'a jamais dérangé un showbiz, qu'il soit européen, américain ou africain. Ça n'a jamais dérangé. Tant que tu es cher, que je suis sûr de produire un hit dans ton studio, je ne me gêne pas. Je compte le blé et puis je te donne. Et puis toutes les personnes qui l'ont fait n'ont pas regretté. Le mec, il a fait beaucoup d'artistes. Voilà, dans son, il est cher là. Et puisque tu ne sais pas, c'est pas maintenant que Baby Philippe est cher. Dans le temps où certains petits arrangeurs prenaient 100 000, 150 000 pour arranger des sons, demande combien que tu vas payer pour le bongo de DJ Arafat. Je crois que c'était 350 000 et puis c'était arrangé. Parce que quoi? Le petit a confiance en son talent. Voilà. Parce que vous aussi, les artistes, on vous connaît. Il va faire un prix dérisoire pour te donner. Quand tu vas commencer à truc percer, tu vas l'oublier. Je prends un artiste comme Kérosène, qui a eu beaucoup de difficultés quand il était en Europe, quand il est rentré, quand il a commencé à faire sa collaboration avec Baby Philippe, il ne regrette pas. Même s'il paye 1, 2 millions pour un son chez Baby Philippe, il sait ce qu'il gagne après. Il gagne 100 fois plus que ça. Si tu as un problème avec Baby Philippe, tu nous le dis calmement. Mais tu viens pas prendre ta caméra et puis te jouer les 10 heures de vérité, même si souvent tu dis beaucoup de vérité. C'est là où nous deux, on n'est pas d'accord en fait. Et puis je ne vais jamais cesser de le dire. C'est là où nous deux, on n'est pas d'accord. Tu chantes bien. 2 jours là même, tu es inspiré, tu enchaînes les hits. Bon, ça te coûte quoi de te taire et de te concentrer sur ta carrière? Tu passes ton temps qu'à t'en prendre à tes collègues artistes. Et toi encore, tu viens dire que lui, il est le sorcier du coupé décalé. Lui, il est le sorcier du coupé décalé. Lui, il est l'hypocrite du coupé décalé. Je suis désolé. La sorcellerie, elle se fait sous plusieurs formes. Ce n'est pas la cherté des arrangements de Baby Philippe qui ont gâté ce coupé décalé là. C'est vos clashs à 2 balles, là. Vos clashs à demi debout là. C'est ce qui a nui ce coupé décalé, c'est ce qui a terni l'image de ce coupé décalé là. Lui-même, je vais m'adresser à lui tout à l'heure. Mais il faut comprendre ça comme ça. Et puis, je ne sais même pas pourquoi, quand tu fais tes directs, tu te sens obligé d'insulter. Ce n'est pas tout le monde insulté, hein, qu'est-ce que le sultan? Il y en a de plus fous que toi, il y en a qui peuvent te créer de gros problèmes. Dis tes vérités sans insulter. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tes injures là. Ça ne me plaît vraiment pas. Moi, je t'apprécie, hein. Je t'apprécie, tu ne peux pas imaginer. Mes proches même le savent. Je t'apprécie beaucoup même. Tes liens là, Dieu seul sait ce que je fais avec. Mais la seule partie que je n'aime pas chez toi, c'est où tu es toujours le premier à vouloir dire la vérité aux autres et puis tu n'aimes pas entendre la vérité. C'est la partie là que je n'aime pas chez toi. Baby Philippe est cher, c'est pas maintenant qu'il est cher. Il y a longtemps que tu sais qu'il est cher. Depuis qu'il a commencé à arranger là, il est cher. Mais dans son, il est cher là. Il refuse certains artistes. Dans son, il est cher là. Il est submergé. Si tu as un problème avec Baby Philippe, tu lui dis directement. Mais tu passes pas sa histoire de il est cher, il est assis, il est. Mais c'est pas sa faute. Chacun a son don. Toi, tu maîtrises bien ton affaire, parce que pour ça, lui aussi, il maîtrise ses arrangements. Tu as quoi à t'en prendre en lui? Il est bête, il est hypocrite, c'est le sorcier. Bon, il y a quoi? Ou bien tu as refusé des arrangements. Tu nous le dis clairement. Parce que toi, ton info trable là. Si tu rentres chez Baby Philippe, il va te faire encore propulser que ce que tu as fait actuellement. Même si actuellement, tu es en train de sortir la tête de l'eau maintenant. Tu passes chez Baby Philippe, il va te montrer pourquoi il est cher. C'est ça qui est la vérité en fait. Donc, Tiesco, je t'apprécie bien, mais je n'ai vraiment pas aimé ton direct là. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour te dire cette vérité-là. Mais moi, Irito, tu connais, c'est pas maintenant notre mariage, là. J'avais oublié un moment. Mais je reviens à la charge parce que j'ai regardé plusieurs directs. Mais pour le cas de Philippe, ça n'était de trop. Il est libre de travailler avec qui il veut. Il est libre de travailler avec qui il veut. Moi, je n'ai pas apprécié ton direct. D'après toi, ceux qui ne sont pas d'accord avec tes propos qu'ils aillent se faire enculer. J'irai me faire enculer, mais au moins si je t'ai dit,
la vérité que toi aussi tu dois entendre. Cependant, toi aussi, bébé Philippe, tu sais, ma paix, je sais que tu es un côté Abidji. Les gens se plaignent trop de tes tarifs. Hein. Voilà, on sait que tu es l'un des meilleurs actuellement sur le marché. Voilà. Sur 3 sons, il y a forcément 2 hits dans les sons que tu vas arranger. Ça, c'est à applaudir. Tu fais beaucoup pour le mouvement parce que grâce à toi, on a dansé beaucoup de concepts. Et ce sont tes doigtés magiques qui ont arrangé ces sons-là. Mais quand tu vois que tous tes collègues, même des personnes dans l'anonymat, se plaignent de tes coups, il faut revoir. Ton clash avec Vetu Lolas, j'ai pas voulu me prononcer dessus parce que Vetu Lolas aussi, il a des sorties qui n'encouragent pas à prendre sa défense en fait. C'est pourquoi je me suis tué. Mais si je veux revenir dessus, tout ce qu'il a dit là, il n'a pas menti. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont témoigné la même chose. Il a été pour beaucoup dans tes débuts. Donc je pense que même si tu fais un son à 1 million avec les autres artistes, pour Vetu Lolas, tu peux dire comme lui là, c'est mon vieux père. C'est pas maintenant qu'on a commencé. Au lieu de 1 million, il fait ça à 500 000. Vetu Lolas, c'est pratiquement l'âme qui s'adressait à toi. Parce que ça lui faisait mal en fait. Il a senti de l'ingratitude vis-à-vis de toi. Parce qu'on dit que maintenant, comme tous nous sommes unanimes, que tu es faiseur des hits, tu fais la grosse tête, tu arranges ce que tu veux, tu refoules même certains artistes. C'est pas intéressant. C'est pourquoi Tiësto le Sultan va se permettre aussi de te dire certaines vérités. Comme j'ai dit en début de ma vidéo, quelque part il n'a pas menti. Mais la seule partie que je n'ai pas aimée, c'est où il te targue d'être le sorcier du coupé décalé, pendant que les sorciers du coupé décalé, les vrais sorciers là, on les connaît. Ceux qui ont gâté le mouvement coupé décalé, on les connaît très bien. Il faut revoir tes coups. Si tu es un faisait de hit, que tu veux vraiment propulser ton coupé décalé là, il faut essayer de revoir tes coups. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des artistes confirmés, ils ont l'argent. Il ne faut même pas diminuer 5 francs parce que eux, tu as fait un son, eux, ça prie actuellement, ils font millions, millions. Les sons que tu as arrangés avec eux. Mais ces jeunes-là qui t'approchent, qui veulent s'essayer à la musique, qui veulent vraiment que tes doigts passent dans les arrangements-là, il faut avoir le cœur de vraiment revoir tes coups. J'ai mon groupe même qui allait te rencontrer, Baby Dream, je ne sais pas si tu te rappelles dans le temps. Super talentueux. Il n'y a pas un groupe même qui est fort que eux. Par manque de moyens, ils sont au placard. Et c'était tellement chaud, j'ai demandé à mon grand frère d'aller en solo, Mister Lexos, que tu connais bien. Parce que ça aussi, c'est une forme de sorcellerie. Tu es fort et tu ne veux pas revoir tes coups pour que tout le monde en profite. Toute la Côte d'Ivoire dit qu'actuellement, parmi les jeunes, c'est toi le numéro 1 des arrangeurs. Et tu l'as démontré par A plus B. C'est pas un seul artiste. Et puis c'est pas avec un seul hit. Il faut revoir cela. Il faut vraiment revoir cela. J'espère qu'on s'est compris. Hein? J'espère qu'on s'est compris. Et tu vas écouter aussi les critiques positives de Tiësto le Sultan. Et tu vas essayer de revoir la chose. Hein, ma quoi? Faut pas faire les choses comme ça. Voilà, ne donne pas raison aux gens d'avoir raison de toi. Que Dieu vous bénisse, c'était Héritage. J'espère que le message est passé. On partage la vidéo. Vous envoyez ça à Tiësto et vous envoyez ça à Bébé Philippe. J'espère qu'ils vont comprendre. Ciao, ciao.